Moi, je ne peux pas travailler, vivre, accompagner quelqu'un pour lequel je n'ai pas de sentiment de sympathie. Confiance, fidélité, espérance. Et fidélité, ça veut dire qu'on peut tout se dire, et espérance, c'est que ensemble, on est plus fort que tout seul. L'espérance, c'est de tourner le dos au défaitisme, au renoncement. Avec Chirac, on ne pose pas son baluchon au bord de la route, même dans les épreuves. Même dans les difficultés, on avance, on continue. On ne construit rien sans espérance. Le monde du pouvoir est un monde de courtisans. On est là, on flatte. Mais la relation amicale de confiance se fait justement si celui qui vous interroge est capable de recevoir la vérité. Et deuxièmement, que cette vérité, vous lui dites à lui, mais vous ne le dites pas à l'extérieur. Ce que j'aimais quand je rencontrais Jacques Chirac, et qu'il avait des responsabilités au sommet de l'État, c'est qu'il écoutait, il avait une capacité d'écoute de la critique, pourvu que celle-ci, elle s'adresse à lui directement et non pas à lui à travers des médias. Quand vous êtes président de la République, tout le monde vient vous voir. Oh, que c'est bien. Est-ce que je pourrais pas, pourriez pas me nommer ministre, etc. Là, c'est ce qu'on appelle la courtisanerie. Mais quand vous l'êtes plus, alors vous verrez très vite les regards se détourner, partir ailleurs. Être là, être là, et surtout en politique, alors que vous n'êtes plus au sommet de la hiérarchie, alors que vous ne pouvez rien donner, rien distribuer, être là pour être là. C'est ça l'affection.